Good morning, allez, Iden, le sutra aujourd'hui, le Lunish, Matricha, Aaron, Ben Fortune Mazal, Claude Itrek, Ben Fortune Mazal. Si vous souhaitez, vous aussi, dédier une prochaine étude, Michel, contactez la 5 minutes éternelle. Nous disons, Maserat Kalim, Perkei, Mishnah Dalet. Michel, Mevakesh, Nesachim, Holechlo, Etel Yohanan, Cheo, Memune, Alachotamot, Benotel Marot, Mekabel, Mimeno Chotam. Baalo, Etel Achia, Cheo, Memune, Alanesachim, Benotel, Lo, Chotam, ou Mekabel, Mimeno Nesachim. Vela Erev, Bainze, Etel Ze. והאחיה מוציא את החותמות, ומקבל כנגדן מאות. ואם הותירו, הותירו להקדש. ואם פחתו, היה משלם יוחנן מביתו, שיד הקדש על העליונה. Depuis la mission précédente, on a commencé à parler de la... je sais pas, le travail en équipe, entre d'un côté Achia et Yohanan. C'est dans la première Mishnah du Pérec, on avait découvert les deux rôles, parmi tous les rôles qu'il y avait au Beth Amigdash, deux fonctions. Il y avait la fonction du Achia et Yohanan. Yohanan, c'est celui qui était responsable sur les tickets pour les oblations, tandis que Achia, c'est celui qui concrètement donnait les oblations. Quand je devais apporter un corban, c'était Ola ou Shlamim, selon le cas, j'apporte du menu bétail, gros bétail, un bélier, il y a plusieurs niveaux, alors je dois apporter un certain kit d'oblation avec de la semoule, avec de l'huile et du vin, et une certaine quantité selon le corban que j'apporte. Maintenant, pour procéder, pour pouvoir les obtenir, comme on voulait que ça rentre tout dans la pureté, il fallait les acheter directement au Beth Amigdash, t'apporter ton argent, tu passes la caisse là-bas, au guichet, tu prends, le guichet c'est Yohanan, tu achètes de chez Yohanan, il va te récupérer l'argent, lui s'occupe de gérer la caisse et de donner le bon, et hop, tu prends ton bon, tu vas ensuite chez Achia, et Achia il va te donner selon le nécessaire pour pouvoir apporter ton corban, d'accord? Ça, c'était tout ce qu'on avait appris dans la Mishnah précédente. On avait même parlé de 4 types de tickets qu'il y avait, ou peut-être 5 selon Ben Azaï. Maintenant, la Mishnah nous raconte concrètement comment ça se passe. Mishou mevakesh nesachim. Celui qui a besoin, donc, d'apporter des nesachim, une oblation. Holechlo etzel Yohanan. Il va aller chez Yohanan. Shou memuna la chotamot, que c'est lui qui est responsable sur les. C'est le garde des sceaux, concrètement. C'est lui qui garde les sceaux pour tamponner les tampons. Et il lui donnera l'argent selon le kit qu'il a besoin, selon l'animal qu'il est en train d'apporter. Mais kabel mimenu chotam. Donc tu payes ce que ça coûte, il y a un barème sur quelque chose, tu payes le prix que ça coûte, et il va te donner un ticket. Tu prends ce ticket, ensuite, balo etzel achia, tu vas ensuite chez achia, chez hu memuna la nesachim, qui est lui, c'est le responsable de distribuer les nesachim, concrètement de donner la marchandise, les nesachim, les oblations avec lesquelles tu vas faire ton corban. Donc tu lui donnes le chotam et il te rend le nesachim. Plusieurs petites précisions, on écrivait une date précisément. Ce sera même nécessaire par rapport à la suite de la prochaine Mishnah en fait. Et on écrivait une date avec le jour et tout ça, comme ça, ça évitait plein de trafic, on évoquera plus tard. On craignait que les gens, ils allaient peut-être trouver un ticket, ils n'allaient pas venir le jour même, parce que le jour même, c'est sûr, ils vont se faire griller, ils vont le garder pour quelques jours, ils viendront dans 5 jours avec. Pour ne pas arriver dans une situation pareille, on écrivait la date et le bon n'était valable que pour cette journée. D'accord? Donc, Balo, je reviens, Balo et Salachia, Shou Memuna et Nesachim, il part voir Achia, qui est le délégué sur les oblations, Ve Noten Lochotam, on Mekabel Nesachim, et lui donnait le ticket tamponné, et l'autre, il lui rendait en échange le kit de blason qu'il avait besoin. Achia Motsiet Achonomot, lui donnait le bon, ou Mekabel Kenegdan Maot, et il recevait en retour plutôt, Achia recevait en retour l'argent. Maintenant, je me suis trompé de ligne. Mais notez le chotam, on me kabel menu nesachim. Il lui donne le chotam, ensuite il va avoir Achia, il va lui donner les nesachim, il va lui donner les oblations. Maintenant, Vélaerev, maintenant. Le soir, on fait l'inventaire, on vérifie qu'il n'y a pas eu d'embrouille. Ils vont se rencontrer les deux. Donc, chez Yohanan, il y a eu aujourd'hui, il a donné 25 bons. Il y avait 15 bons des parts, et 5 bons des Elim, et 5 bons des Gvasim, par exemple. Alors, ils partaient ensuite le soir, ils se rencontraient les deux, et, concrètement, Yohanan, il n'avait plus les bons, il a reçu l'argent. Le bon, il a fini par arriver chez Achia, puisque, moi, je vais chez Yohanan, je lui paye, je récupère un bon, je vais chez Achia. Achia, en échange, il va me donner le vin. On apporte, maintenant, le soir, ils donnent rendez-vous, maintenant, Achia et Yohanan, ils vont s'asseoir les deux. Un, il va compter combien il a reçu d'argent. Et l'autre, il va compter concrètement combien est-ce qu'il a reçu de bons. Si le compte est bon, donc il n'y a pas de problème de bon. Tout se passe très bien. D'accord?
Il y a eu 25 ventes et il y a eu 25 fournitures. Si toutefois il y avait un décalage, alors là attention. Vimotiru, si on a eu plus, c'est-à-dire qu'il y a eu plus d'argent, c'est-à-dire que Yohanan, il a délivré aujourd'hui 25 bons, et quand on fait le compte, on réalise qu'il y avait l'équivalent, il y a eu un bon supplémentaire apparemment, du bidouk, exactement le prix exact de c'est-à-dire, ouais, Achia, il dit qu'il a reçu 25 bons, pourtant Yohanan, quand il fait le compte de sa caisse, il réalise qu'il a l'équivalent de un kit supplémentaire. Qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Peut-être qu'on va croire que ce Yohanan, en fait, il a pris de son argent, il l'a mis dans la caisse. Non. Il m'a tiré au l'Egdash. Si on a eu plus, un excédent, ça tombe pour l'Egdash. Dans le doute, ça appartient au Betamigdash. Mais par contre, Vim Pachatou, si toutefois, Achia, il va te dire, regarde, j'ai eu l'équivalent, j'ai délivré 25 kits aujourd'hui. Est-ce que tu as en contrepartie les 25 fois l'argent requis sur le décompte? Il va dire non, j'en ai que 24. Alors là, il y a eu un problème. Il y a eu de l'argent qui a été perdu. Il va faire le compte de l'argent, il va requis que pour 24. Qu'est-ce qu'on fera? Eh bien, ce sera Yohanan qui aura le mérite de combler le trou du Hekdesh et de payer de sa poche. C'était Yohanan qui devait payer de sa propre poche. Pour quelle raison? Parce que chez Yad Hekdesh à la Eliona, la main du Hekdesh, elle est toujours à son avantage. Que dans le doute, on va supposer que l'argent a été perdu. Dans le doute, eh bien, on va dire que l'argent a été perdu. D'accord? C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine d'Aslach HaKol Tov.